François Dubé reprend une partie de ma citation qui est effectivement « recruter, c'est discriminer ». Donc cette assertion, elle est importante parce qu'elle est simplement... c'est l'idée de faire un clin d'œil, en fait, finalement, à la définition de la discrimination. Quand on revient à l'origine même du mot « discriminer » et qu'on regarde ses synonymes, « discriminer » signifie finalement « distinguer »,« démêler », et finalement, quand on s'interroge à la tâche de discriminer sur le marché du travail, c'est-à-dire la position des recruteurs qui ont la lourde tâche de sélectionner des candidats sur le marché du travail, on voit bien qu'effectivement, eh bien, recruter, c'est discriminer parce qu'il s'agit de démêler des candidatures, démêler du vrai du faux dans les parcours qui sont présentés, dans les CV qui sont soumis aux recruteurs. Il s'agit de distinguer les meilleurs des moins bons. Et puis, notamment, d'envisager dans le futur si le candidat peut potentiellement être un pair pour l'organisation. Donc, discriminer... c'est discriminer, en tout cas recruter, c'est discriminer parce qu'il s'agit en fait de distinguer des candidatures. Ce qui est plus compliqué, c'est que lorsqu'on on s'interroge finalement à la notion de discrimination au regard du droit et au regard de l'arsenal juridique qui a été mis en place, l'enjeu des recruteurs aujourd'hui et demain, c'est effectivement de faire cette tâche de recrutement tout en sélectionnant des candidats sans fonder leur jugement sur un critère prohibé par la loi. Ces critères sont multiples. Aujourd'hui, l'arsenal juridique s'est extrêmement renforcé. On est à plus de 25 critères de discrimination, donc une évolution énorme depuis 2001. Et ce qui est compliqué pour ces recruteurs, et c'est un peu l'enjeu du livre, c'est de rencontrer leur posture professionnelle, et on voit bien les difficultés qu'ils ont, parce que nous sommes tous soumis à des représentations sociales. Nous avons tous des représentations sociales, elles sont importantes puisqu'elles nous permettent de nous diriger, elles ont une fonction d'orientation dans l'environnement. Ces représentations sociales, on les fonde, ou en tout cas elles sont adossées sur des stéréotypes. Les stéréotypes peuvent être négatifs, positifs sur la jeunesse, on le verra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, ce qui est le plus difficile, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on a des stéréotypes, ces stéréotypes, ils peuvent du coup s'appuyer sur des préjugés. Les préjugés, c'est l'idée donc du coup d'avoir un sentiment ou de porter un jugement au regard d'une jeunesse ou d'un type de jeunesse parce que elle, pour la seule raison qu'elle appartiendrait à un certain groupe social. Et ce qui est compliqué, c'est justement de fonder justement une sélection de candidats tout en se détachant du coup potentiellement de ses préjugés. Donc il faut accepter qu'on a tous des représentations, des stéréotypes, mais ce qui est essentiel pour les recruteurs aujourd'hui, c'est justement de se détacher de ces stéréotypes et donc de pouvoir agir de manière, j'allais dire, de manière égalitaire. Et ça, c'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, effectivement, en France, on voit bien que la méritocratie est remise en cause. On voit bien qu'il y a énormément de jeunes qui sont très diplômés, mais pourtant qui ont du mal à valoriser ces parcours universitaires dans certains secteurs. Donc je pense effectivement qu'on peut parler d'une tyrannie des diplômes parce que certains diplômes, notamment ceux des jeunes issus des parcours des grandes écoles privées, arrivent plus ou moins à valoriser leurs diplômes pendant que d'autres ont du mal justement à valoriser ces diplômes. Néanmoins, on est quand même dans une évolution d'un certain écosystème universitaire. On voit bien qu'il y a un écosystème notamment avec des nouveaux métiers qui sont en train de se créer. L'écosystème de l'innovation numérique, l'innovation sociale, laisse place à des parcours assez hybrides, atypiques, où là, le diplôme n'est pas forcément valorisé et on va rechercher chez le candidat ou chez le jeune potentiellement ses compétences douces, ce qu'on appelle des soft skills. Et là, il y a vraiment une porte, en tout cas une ouverture vers des parcours hybrides où le diplôme ne serait pas le seul sésame qui permettrait de distinguer un candidat plutôt qu'un autre. Alors, les représentations des jeunes sur le marché du travail, donc elles ont
elles ont évolué. Aujourd'hui, on sait, elles oscillent finalement entre l'idée que la jeunesse est une ressource et l'idée que la jeunesse est un risque, un véritable risque sur le marché du travail. Ces représentations, elles sont directement, j'allais dire, corrélées à la question de la fabrication des politiques d'emploi depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 30 ans, puisqu'on a vu énormément de réformes se multiplier pour aider, ou en tout cas pour favoriser l'insertion professionnelle. Et quand on regarde plus précisément, en tout cas, ces politiques publiques d'emploi, eh bien, on voit bien que la catégorie jeunesse, elle est plurielle. Il n'y en a pas qu'une. Mais il y a des points communs dans ces dispositifs d'emploi. Et une des premières analyses donc, du coup, qui est présente dans ce livre-là, c'est l'idée de voir finalement que la jeunesse, c'est une main-d'œuvre toujours en attente, une main-d'œuvre qui serait toujours à aider. Et quand on compare ces dispositifs publics d'emploi au niveau français par rapport aux politiques d'emploi aux Pays-Bas ou en Allemagne, on voit bien que là, les jeunes sont considérés, j'allais dire, dans une sorte de non-agency. Ils ne seraient pas acteurs, même après leur processus, j'allais dire, leur trajectoire scolaire, universitaire, ils ne seraient pas acteurs de leur propre trajectoire. Ils sont toujours à aider. Donc, tous les dispositifs d'emploi, les contrats aidés, les aides financières pour les entreprises, tout ce qui a été pensé, le dernier plan, un jeune, un parrain, un jeune, etc. Tout ça montre une philosophie, en fait, d'action publique qui est de l'ordre d'une philosophie qui positionnerait le jeune comme un jeune minoritaire, dans une position qui le placerait, en fait, toujours à être aidé et à ne pas être acteur de sa propre existence. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, toutes ces représentations, les représentations notamment des recruteurs et des employeurs qui justement font appel à ces dispositifs, eux considèrent que les jeunes sont une main-d'œuvre soldée en quelque sorte. On doit pouvoir avoir un dispositif d'aide pour pouvoir considérer que c'est une main-d'œuvre que l'on peut facilement recruter. La jeunesse en soi est une catégorie qui est quasiment tout le temps mobilisée dans les discours politiques, et pourtant on a du mal à l'analyser en tant que catégorie en soi. On n'a pas de ministère de la jeunesse par exemple, et donc elle est en fait à l'intersection de beaucoup de politiques publiques, politiques de santé, politiques d'emploi, politiques universitaires, etc. Et on n'arrive pas à la penser communément et à mettre en lien notamment la question éducative et la question de l'insertion professionnelle directement. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir collectivement à cette catégorie en tant que catégorie politique, afin de créer vraiment une politique de la jeunesse.